Bonjour Sidonie, je suis très content de toi, tu as super bien bossé. Quelques petits problèmes encore, mais c'est vraiment rien du tout, rassure-toi. Je suis très content, vraiment, tu es un très bon élève, tu peux être fier de toi. Les doigts sont respectés, le rythme c'est à peu près ça. C'est ça, c'est le problème de tempo vers le deuxième, vers la troisième, ici, là, un petit peu là, un petit peu là. Bon, enfin bon, c'est pas très grave, je pense que. À l'heure où je te fais la vidéo, tu as dû corriger ce petit problème. Donc n'oublie pas un truc. Fa dièse, mon ami. Fa dièse, ici. Tu me mets un fa bécasse. Fa dièse. Et ça fait deuxième portée. Première mesure. Fa sol la ré fa. Tu vois, c'est différent. Fa sol la ré fa la do si la si sol la si ré do do ré sol fa. Là, tu fais bien pourtant. Sol ré si sol la si mi ré do si la sol sol fa dièse. Fa dièse là aussi. Sol si ré sol ré si sol ré si sol. La suite. Sur ça, juste ça, c'est un peu compliqué. Donc, on va faire main séparée. Après le A, qui se trouve ici, donc cette mesure, on commence par cette mesure. Je le rapproche si tu veux, c'est cette mesure-là qu'on va travailler et ces trois-là. Nous avons 1, 2, parce qu'on arrive. Ré, si, 1, 2, 3. Et on laisse appuyer le sol parce qu'il est pointé. Quand tu as un petit point sur une note, comme ici, pas en dessous, hein, à côté, le petit point rajoute la moitié de la valeur de la note. Donc, si la blanche vaut 2 temps, le petit point vaut la moitié de 2, 1, 2 plus 1, 3 temps. Mais en haut, la blanche, il n'y a pas de point. Donc, celle-là, elle vaut 2 temps. Et en laissant appuyer celle du dessous, tu fais celle-là. Et ça fait comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, tu vois, je laisse appuyer. 1, 2, 3, mais je laisse le sol. Pareil pour la deuxième mesure. 1, 2, la blanche en haut vaut 2 temps. Le la vaut, et le la et le sol, ça fait 2 temps aussi. Donc on laisse appuyer le ré. 1, 2, 3. Là, on relève le ré puisque. C'est un autre ré qu'on peut voir ici. Donc la blanche vaut 2 temps, le temps de ces deux noirs. Et puis après, on rappuie les deux, puisque la blanche vaut que 2 temps, et il nous faut un troisième temps. Et ça fait ça. Sol. Même problème ici. 2. Et tu appuies. Tu laisses le dos appuyé, puisque c'est une blanche. 1, 2, 3. Ça. Le meilleur doigté en mettant la partition à côté pour que je voie à peu près. Donc on va dire non. En même temps que moi, tiens, mets le doigté. On est sur la 12e mesure, celle-là. Donc ça va être 5, 3. 3, 5, pardon. 3, 5. Ré, 1 pouce. Mi, 1, 2. 1, 2. On remet 3, 5. 5, 4 pour le La et le Sol. 5 et 4. Passage du pouce sur le la, donc 1, et cinquième doigt sur le do, et quatrième doigt, do sur le si.
Si, do, la, fa, ré. Et après, c'est comme les arpèges. 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 4, 3, 1. Et ça repart. La main gauche, rien de compliqué. Donc, on met un petit B ici. Tu ne le vois pas, mais il est là. Et pour le doigté, t'es prêt. Mets sur pause. Et t'as le doigté. Voilà. On y va pour la main gauche. Sol, fa, mi, fa, mi, mi, fa, sol, ré, deux, trois. Aussi simple que ça, que des noirs, le doigté. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4, 4 et 2. C'est fini. Voilà, c'est Denis, travaille bien. Et surtout, en travaillant la partie A et B, tu révises jusqu'à A pour que ce soit bien fluide et tout ça. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis très content de toi. Bonne semaine à toi, on se voit la semaine prochaine. Bye bye, salut Sidonis.